Salut, bienvenue à tout le monde, bienvenue encore à tout le monde. Il y a déjà beaucoup de monde là ce samedi matin. Bienvenue à la Paris Game Week et bienvenue sur le stand Asus. Vous le savez tous, aujourd'hui, c'est le play-off des tournois, du tournoi de League of Legends avec 15 000 euros de dotation. Et j'ai la coupe, la coupe qui est à côté de moi, que j'ai présentée chaque journée, qui ressemble un peu à la coupe de l'année dernière, mais en plus gros, parce que le tournoi, forcément, est plus gros. Je rappelle juste les dotations, hein, 15 000 euros, il y a déjà des équipes éliminées, 4 équipes éliminées, elles sont reparties chacune avec 750 euros. 6 000 euros pour le premier, 3 000 pour le deuxième, 2 000 pour le troisième et 1 000 euros pour le quatrième. Voilà. Donc ce sera tout à l'heure. Le premier match, ce sera à 11h. Alors, on a Eclipsia, il me semble, contre Team AA. Et ce sera vers 11h, en BO3. Alors, premier concours qu'on aura chez vous, pour ceux qui suivent le stream, et bien sûr, si vous rentrez chez vous ici, NVIDIA Facebook. Alors, vous allez sur le site d'NVIDIA, vous avez une carte graphique GTX 680 à gagner. Il n'y en aura qu'une seule pendant l'événement. Par contre, si vous venez à la Paris Game Week, j'ai fait gagner une carte graphique par jour. C'est très simple, c'est la chasse au trésor. Alors, vous avez 5 stickers cachés dans le stand d'Asus. Voilà. À chaque fois, il n'y a pas trop de personnes qui vont chercher. On se retrouve avec 5-6 personnes qui retrouvent le truc. C'est très, très simple. Donc, il y a les réponses dans le stand. Moi, j'ai les questions. À 17h, je vous pose la question. Si vous répondez bien, je vous file la carte graphique. Voilà. Je vous dis juste, hein, il y a très peu de personnes qui viennent à chaque fois avec les réponses. Pourtant, c'est simple. Le Facebook de Republic of Gamer France, là aussi, il y aura un concours avec le G75 à gagner, le portable qu'on présente aussi ici à la Paris Game Week. Ceux qui se rendent à la Paris Game Week ont une chance supplémentaire de gagner. Alors, vous pouvez le faire sur Facebook, mais quand vous venez ici, vous avez une petite urne qui se trouve là-bas, près du couloir. Vous mettez votre petit papier et vous avez une deuxième chance. N'oubliez pas de garder la deuxième partie du petit papier, parce que sinon, votre participation ne sera pas valide. Voilà. Et finalement, on a aussi Neverwinter. Alors, ça se trouve là-bas. On a la démo, on a la bêta, par contre, du jeu Neverwinter. Vous finissez la démo bêta, ça dure à peu près 15 minutes, on vous file la bêta. Et en plus de ça, vers 3 heures, on va sélectionner 3 personnes. Ces 3 personnes devront faire un contest. La personne qui finit la démo le plus rapidement possible pourra choisir parmi 3 lots. Alors le deuxième aura la deuxième position pour choisir et le troisième choisira ce qui restera. Donc les 3 personnes gagneront un lot. Il y a une carte graphique, une carte mère et... Et les casques Vulcan Pro d'Asus qui sont présents sur scène pour les joueurs. Voilà. Alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Je vais accueillir Karim. Karim qui nous a permis de monter tout ce stand. Karim, c'est le représentant d'Asus. Et je vais vous demander un tonnerre d'applaudissements pour l'accueillir sur scène, s'il vous plaît. Bonjour à tous. Salut Karim, ça va? Ça va. Alors, comment ça se passe là pour toi l'événement? Tu t'amuses? Tu rencontres du monde? Ouais, alors on est super contents et on remercie vraiment tout le monde, tous ceux qui sont venus sur place et tous ceux qui nous regardent sur le stream. On est très très contents de l'événement, c'est génial. On s'attendait à avoir du monde, mais vraiment pas autant. On a réitéré l'expérience de l'année dernière qui avait été vraiment géniale et c'est une manière pour nous de venir avec un stand beaucoup plus grand et de remercier un peu tout le monde et d'offrir un spectacle hyper intéressant et de s'amuser tous ensemble. Donc oui, parce qu'on s'est amusé l'année dernière, tu t'es dit on va faire ça plus grand. Pourquoi 15 000 euros? Pourquoi aussi gros? Pourquoi League of Legends? Pourquoi League of Legends? Déjà parce qu'on a au bureau, déjà on est beaucoup de joueurs et on joue beaucoup à League of Legends et c'est comme ça qu'on a connu le jeu et qu'on a commencé à discuter avec eux. Et l'année dernière, ça avait été un premier test qui avait été génial. Et du coup, on s'est dit cette année, on va faire beaucoup plus fort, beaucoup mieux. Et c'est pour ça qu'on est là avec un stand beaucoup plus grand, avec un cash prize de 15 000 euros quand même. Et voilà, donc c'est venu comme ça. Alors, dans le stand, en fait, est venu ta split, en fait, le matériel que tu as ramené. Tu as ramené ici les Titans V2 sur scène pour les joueurs et les G75 dans la zone libre, c'est ça, pour le oui, public. Oui, voilà, c'est ça. On profite de l'occasion pour montrer les meilleures machines que l'on a. Donc, le G75, qui est le PC portable pour jouer, le PC portable gamer, le dernier né des PC portables, et la tour Titan qui sert sur scène aux pro gamers pendant la compétition, mais aussi au public quand on l'affronte sur scène. D'accord.
Bah, je te remercie beaucoup, Karim. En tout cas, vous pouvez encore l'applaudir. Hein. C'est aussi grâce à lui. Merci. On a tout ça. Et on va accueillir aussi, je pense que tu seras d'accord, l'équipe de Riot Games on a l'honneur d'accueillir l'équipe de Riot Games sur la scène. Vous pouvez les applaudir, s'il vous plaît. Alors Karim, tu restes avec nous ? Warneo, salut. Salut. Alors, comment ça va ? Ça va bien, ça va bien. Bien récupéré de la journée d'hier ? Oui, oui, oui. C'était fatigant quand Karim, même. Mais mets-toi avec nous. On fait toujours notre possible pour être au maximum pour le public et pour voir du beau jeu toujours. Ouais, hier on s'est encore une fois bien amusé. Ça monte crescendo. Et je pense que là, on va juste exploser tous les records. Oh ouais, on espère bien en tout cas. Alors pourquoi vous êtes là avec Asus, l'ESL, à la Paris Game Week ? C'est pour l'e-sport, c'est simple. On veut vraiment faire partie de l'e-sport, on veut que ça monte. Et c'est génial d'être ici en France, du coup on adore ça. Et puis parce qu'on a des cadeaux à donner aussi. Oui, hier tu t'es fait un peu attraper partout. Alors, juste, on va rappeler pour la journée, tu auras des petits cadeaux à distribuer pendant toute la journée, des animations, plein de surprises. Oui, et on aura même un concours de cosplay aujourd'hui. Concours de cosplay, alors voilà. Qui aura lieu, donc les inscriptions ont lieu jusqu'à 12h30. Où est-ce que ça se trouve, les inscriptions ? Alors, les inscriptions vont être dans le coin là-bas, il y a Witchburner avec un beau polo Riot. Il est à une table, donc il suffit juste d'aller le voir si vous êtes bien habillé en cosplayer. Cosplay uniquement League of Legends, évidemment. Évidemment. Et voilà. Et il y a des lots à gagner, évidemment. Entendu. Bah, Karim, je vais te laisser la parole pour le Community Game. Tu vas nous expliquer ce qui va se passer là, maintenant. Tu vas prendre le micro juste ici. Oui, alors ce qu'on va faire, c'est qu'avant le premier match d'AAA tout à l'heure, on va faire une partie tous ensemble, Asus et Riot. On va jouer contre le public, donc on va sélectionner chacun une personne pour monter une équipe et on va les affronter sur scène. Entendu. Bah, je vais laisser à l'équipe de Riot Games le plaisir de choisir les personnes qui vont monter sur scène pour vous affronter. Alors justement, on va tous choisir chacun un membre D'accord. de l'équipe en face. Ok. Donc c'est parti. Allez-y. Voilà, Is nous ramène le dernier. Ok, donc préparez-vous. Vous pouvez vous connecter. On va se préparer de notre côté. Entendu. Et bon courage. Merci. À tout à l'heure. Bonne chance. Have fun. Alors voilà, pendant que les joueurs vont se préparer, alors voilà, n'hésitez pas à demander au staff de vous aider si vous n'arrivez pas à vous connecter. Nous, en attendant, je rappelle juste que tout à l'heure, il y aura le match d'Eclipsia contre Timara. C'est la première demi-finale du Winner Bracket, ce sera commenté tout à l'heure. On va se laisser ici sur scène. On se retrouve pour commenter aussi le match du Community Game contre Riot Games. Je rappelle juste ici qu'il y a beaucoup, beaucoup de concours, des cartes graphiques à gagner. Hein, je vous rappelle qu'il y a une carte graphique à gagner par jour. C'est très simple, il y a 5 réponses dans le stand. Moi, j'ai les questions à 17h, je fais tomber la carte graphique. Il y a la carte graphique sur Facebook, sur la page Nvidia sur Facebook. Il y a la page Republic of Gamer France où il y a le G75 à gagner. Et vous avez une deuxième chance ici en remplissant l'urne derrière dans le couloir. Voilà, pendant qu'il se prépare, on se laisse avec une petite vidéo. On se retrouve tout à l'heure.
Et voilà, alors l'équipe de Riot Game avec Karim d'Asus est prête. Les joueurs aussi qu'on a ramenés sur scène, qui faisaient partie du public, est prête aussi. Et nos commentateurs sont également prêts. SkyArt et Jiraya, est-ce que vous êtes là? Ouais, je t'entends, Salim, y a pas de soucis. Ouais, on est là, on est présent donc pour ce premier show match en attendant la première demi-finale qui opposera Eclipsia. Donc on a déjà vu l'équipe des Rioters jouer plusieurs fois tout au long de ce salon et là on va voir face à ces spectateurs ce qu'ils ont dans le ventre. C'est ça, on aura Zwin de Riot que vous avez pu voir donc au micro, on a également SaRJ. On a aussi le staff d'Asus donc avec Karim et Spleen et on a également le volontaire ISP qui vont affronter donc 5 joueurs du public hein, qui ont été choisis par chacun des membres. Donc on va voir ce que ça va donner, s'ils sont chauds, s'ils sont présents. Et puis ça nous permettra de patienter en attendant que les joueurs pour le tournoi qu'on rappelle avec 15 000 euros en tout à gagner pourront se préparer et on passera là-dessus. Donc là je pense qu'ils sont en train de se faire les derniers réglages et puis on pourra y aller. C'est ça, les phases finales donc, du tournoi de Paris Games Week, c'est juste après, donc du tournoi Asus ROG. Hein. Là, en tout cas, les joueurs du public, on voit en termes d'élo, hein, on est sur du 1400 à peu près sur 3 joueurs et même 2500. Ouais. Donc faut voir. Donc on vous rappelle hein, le côté du staff, ils font pas beaucoup de ranked au final, hein, enfin a priori pas sur ces comptes-là. Mais j'ai cru comprendre qu'ils étaient dans les 1300 à peu près. Ouais, voilà. Alors, on a eu Dwin qui joue carry AD, on a SaRJ qui joue support normalement, qui joue beaucoup Sona, ISP qui était en jungle. Après Spleen, on n'a pas eu l'occasion de le voir encore. Ouais. Spleen, on n'a pas eu l'occasion. Mira qui avait joué jungle aussi la première fois avec son Jax, donc peut-être qu'il sera bad. Voilà, on balance un petit peu. On balance pas, mais bon. Alors Zwin qui a joué à chaque fois d'excellentes games hein, avec Corki, mais on balance pas. Donc Spleen, on va voir. Il a caché son jeu hein, pour l'instant, on sait pas ce qu'il vaut. En tout cas, on va voir s'il est aussi fort, s'il est aussi fort à League of Legends. Ouais, on va voir. Donc là, il se balance les légers à la chef, tout à fait normaux. On joue sur le client online et pas sur le patch. Attention, ouais, là, on est sur online. Parce qu'on vous rappelle que le tournoi se déroule sur le patch Kha'Zix. Donc pas de nerf du DFG encore, pas de nerf de Rengar, etc. Donc ça, c'est pour le tournoi. Les joueurs n'étaient pas forcément prévenus. Ils avaient, on l'a vu qu'ils avaient du mal. J'avais parlé à beaucoup de joueurs qui m'ont dit « Ah, oh, on avait straté sur le client online. » Là, non, pas de souci. Donc on aura bien 3 minutes de décalage. Et tout de suite, game qui est lancée. On va pouvoir passer en phase de ban et de pick pour les deux joueurs et l'équipe de Riot qui first ban first. C'est ça, exactement. Donc là, on est, comme tu as dit, sur le nouveau patch. Donc il y a peut-être moins de perso hein, unbalance, on va dire, hein, comme tu as pu le dire. Donc là, Jace qui est ban hein, directement par les spectateurs. Le ban de Blitzcrank hein, de l'équipe des Rioters Asus. Ouais, ban Ezreal. Ezreal qui a été ban. Mais bon, enfin Ezreal, maintenant, on a vu qu'il a été, il a eu un petit nerf au niveau du debuff de vitesse d'attaque. Bah, Blitz également, Jace également. Au final, ils ont banni 3 champions qui se sont fait nerfer hein, lors du dernier patch. Bon, même si Blitzcrank, c'est pas forcément pour le nerf, Blitzcrank. C'est plutôt c'est un champion support qui est vraiment très très pénible sur cette bot lane. On n'est jamais bien quand on l'en face, on peut pas faire ce qu'on veut, on est obligé de jouer plutôt safe. Parce que ça peut aller vite si on a un Graves par exemple, si on a un Corki aussi, si on a un perso qui fait du burst. C'est pas évident. Et Orianna qui a été ban, qui reste craqué complètement, même sur ce patch. Ouais, Orianna qui n'a peut-être un des seuls persos hein, considérés comme puissant qui n'a pas été nerfé dans ce patch. Ban Darius, un personnage très 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 facile à jouer, très accessible et qui fait tons of damage. Ouais, c'est ça. Et Rengar, last ban, Rengar qui, sur ce patch, a été nerf, mais reste viable. Je crois qu'il a pris 150% des dégâts qui ont été réduits à 100%. C'est ça. De la régénération en moins, etc. Mais le personnage reste quand même tout à fait jouable. Hein. Donc, en tout cas, on a un Blitzcrank. Je pense que ce qui fait peur aussi, c'est que SaRJ, on a vu, elle appréciait quand même pas mal Sona. Et du coup, c'est vrai que Sona est un champion qui a très 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 peu de points de vie. Si elle se fait grave, ça peut être compliqué. Là, le pick, first pick d'Amumu, hein. Pas de first pick de Corki, alors que Zwin nous a habitué à first pick Corki toutes les games. Ouais, il était plutôt bon d'ailleurs. On a essayé de balance, mais ça marche pas. On va voir si en face ils vont aller le récupérer ou pas. Amumu qui avait été joué par ISP en jungle, il avait laissé peu de chance à ses adversaires, il était parti tout le temps en counter jungle. Et en face, on réagit avec une Soraka, drôle de réaction, j'ai envie de dire. Soraka, un champion quand même qu'on voit, faut dire, hein, de moins en moins, puisque c'est quand même un champion assez passif, les joueurs en général préfèrent mener l'agression. Il y a le pic de Corki, probablement pour Zwin, de la part de Karim d'Asus.
ISP qui allait récupérer une Morgana donc pour son mid. Alors vraiment, je ne sais pas où c'est qu'ils vont jouer avec leur dernier joueur, s'ils vont s'adapter ou pas. Puisqu'on a deux c'est membres ça. Du staff Riot, deux membres du staff Asus et ISP qui vous avez déjà pu rencontrer, je pense, sur les forums communautaires, enfin les forums officiels de League of Legends, qui est un Frenchman et qui est très sympathique d'ailleurs, qui nous avait montré un très bon niveau tout le long. Il s'adapte un petit peu. Qui est et là, on va n'est voir. Pas directement affilié au staff de Riot. Oui, voilà, c'est un volontaire, on le rappelle. Et oui, il est bien parti sur une Morgana pour la mid lane, je suppose, forcément. Et ouais. Puis en face, on va voir sur quoi ça va partir. Et une Riven top lane, quand même, ça fait plaisir. Mais c'est ballsy hein, de la part de Rituae. Donc je sais pas si c'est pour lui, en tout cas, first pick le solo top, enfin, pick très rapidement le solo top, c'est pas forcément toujours une super décision. Là, Galio, Maokai, deux champions, je trouve deux champions qui apportent beaucoup de contrôle. Hein. Ouais, beaucoup de contrôle. Galio qui a un énorme ulti. Alors, on va voir comment il va le jouer. Et en face, il aura une Morgana, très certainement. Ouais, c'est un champion que j'aime beaucoup, Galio. Ça fait un petit moment que j'en ai plus revu, en tout cas ouais. En compétition. C'est vrai que je me souviens, je le sortais souvent à l'époque. Et là, depuis bon, les différents patchs, etc., il est un peu moins dessus. Et ça fait plaisir de le revoir un petit peu au goût du jour. Et un Maokai Jungle, Maokai qu'on a pu voir aussi lors de la compétition, notamment par Oni-chan qui me l'a sorti très souvent, qui était plutôt pas mal avec. Donc là on va voir comment on s'en sortit. On rappelle c'est une équipe de spectateurs en face, ils ne se connaissent très certainement pas, ils n'ont pas l'habitude de jouer ensemble, alors que les Rioters ne rigolent pas. C'est ça, les Rioters ont bien tryhard, on a pu le voir lors du premier jour, hein, ils ont beaucoup joué ensemble. Donc là ils auront Spleen hein, pour renforcer leur rang. On va voir le niveau de Spleen, en tout cas Spleen part sur un Warwick pour counter un petit peu cette Riven, pourquoi pas. Ça peut être une bonne idée hein, s'il part sur les Tabi Ninja, etc. Il stack un petit peu d'armor, ça peut le faire. On avait vu ce match-up hein, ouais, y a pas si le premier jour. Il y a trois jours. Ouais. Ça s'était pas forcément bien passé pour le Warwick qui était un peu derrière quand même. Petit push sa ligne, il s'était fait gank, etc. Il était derrière au farm. La Riven qui avait bien géré le match-up. Et c'est RJ qui repart sur sa Sona encore une fois. Donc encore une fois, on aura le Corki Sona hein, sur la botlane. Z-Win, c'est RJ, la botlane de Riot. Et d'ailleurs, je suis en train d'y penser, mais ils ont jamais perdu leur botlane depuis qu'on les a cassés, depuis le début de la Paris Games Week, ils ont jamais perdu leur botlane. Alors qu'on a vu que CRJ nous avait fait un stuff assez original, elle était partie ouais. Meki, elle a fait un voile de lame, enfin elle était en mode NPGG, je teste des trucs what the fuck, et ça s'était plutôt bien passé pour elle. Et en face là cette fois-ci on aura une botlane hyper tanky avec beaucoup de sustain, donc ouais. Soraka, Graves qui apportera un énorme DPS, un énorme burst en early game, et puis avec Sona il pourra vraiment tenir tenir très longtemps sur sa lane. Ouais, Soraka qui donc qui permet de guérir un allié hein, et aussi lui donner un gros bonus hein, d'armure. Son passif donne de la résistance magique, mais le bonus d'armure doit être placé quand même au bon moment hein. Le but c'est de pouvoir buffer hein, votre allié en armure pour qu'il prenne tout simplement moins de dégâts physiques. Ouais, c'est ça. Bah, surtout avec le passif de Graves, en fait, ça synergise plutôt bien sur cette botlane. Bon, du coup, on va voir, parce que c'est vrai qu'on l'a dit à l'équipe de Riot qui n'a jamais perdu sa botlane. Là, c'est peut-être l'occasion de nous faire mentir. ISP qui, du coup, n'a pas pris la jungle. Il a laissé à Karim d'Asus. Et Karim qui n'a pas sorti sa botte secrète, le Jax, qui ne tryhard pas cette fois-ci, il part sur Abu. On nous avait dit la dernière fois, apparemment. À l'oreillette, on nous avait dit d'informer les adversaires qui prenaient Mumu, donc on l'avait bien insisté hein, pour qu'il se le fasse ban, parce qu'apparemment il est fort avec Mumu, on va voir s'il en est. En tout cas, a priori, si vous jouez contre Karim, bannissez Jax et Mumu. En tout cas, il partira sur Mumu, on va voir s'il est aussi fort avec Mumu qu'il ne l'était avec Jax, parce qu'avec Jax, il avait vraiment fait le taf, hein. Il tankait énormément. Pourtant, c'est un champion plutôt DPS hein, quand même, au final, je trouve. Plus DPS, ouais, mais il avait. On rappelle qu'il avait joué jungle. Moi, je pense que c'est un gameplay quand même assez différent que de la top lane. Et il avait très bien géré. Il partait toujours la charge en fait. Il faisait de jolis flash stun. Bah, moi, j'avais bien aimé. Je trouvais qu'il avait un bon niveau. Non, et il avait fait le taf. Il avait bien tanké. Sa RJ quand même. Elle nous avait fait un stuff, on l'avait dit, mais c'était assez bizarre de voir ça. Mais elle mettait des ultis juste magnifiques. Ouais, les crescendo, magnifiques. Pour vous dire, ceux qui connaissent un petit peu, ils ont joué contre l'équipe féminine avec Moment qui était en jungle avec son Malphite. Donc il y avait Mel, il y avait Fury, etc. Et ils les ont défoncés à l'ancienne, le pain in the ass total. Et du coup, on a été assez surpris de cette performance. Ouais. Moment était pas très chaud avec son Malphite en jungle aussi, il faut l'avouer. Mais on avait été agréablement surpris. Et c'est RJ qui m'a un peu vendu du rêve, j'avoue. Ah non, c'est clair. Les crescendo de CRJ, au final, elle est très à l'aise avec sa Sona et elle a fait un excellent travail. Là, on voit encore une fois qu'ils partent sur une composition très axée contrôle de zone. Donc, ulti d'Amumu, ulti de Morgana, ulti de Sona. C'est vraiment des contrôles de zone. Si l'adversaire est vraiment regroupé, ça peut faire très très mal et ça peut très vite mal se passer hein, pour l'équipe. Qui a énormément de burst à chaque fois, enfin, qui se feed rapidement. Et par contre,
C'est vrai que je vois Soraka qui est parti sur un heal sur le coup. Est-ce que c'est pas un petit peu too much là sur cette composition? Je pense qu'une exhaust aurait peut-être été plus intéressante sur la botlane. Après, ça dépend comment ils veulent jouer ça. Ça peut permettre de bait, etc. C'est sûr, pourquoi pas, surtout qu'en plus, là, de l'équipe Riot Asus, il n'y a pas d'embrasement sur la botlane. Ils sont partis sur heal et fatigue. Voilà, c'est ça. Du coup, le heal ne sera pas réduit par un embrasement potentiel, donc pourquoi pas, hein, pour jouer défensif, ça peut marcher, je pense. Ouais, ça peut marcher. Raven qui est parti sur Exhaust aussi sur la top lane, contrairement à la dernière fois. Alors, partir sur Exhaust avec Raven, alors qu'on a un Warwick top, pourquoi pas. Mais c'est pourquoi vrai que ça peut faciliter aussi les ganks, hein, le ralentissement, la réduction d'armure, la réduction de dégâts physiques. Maintenant, Warwick, il y a un champion qui fait plus quand même de dégâts magiques, et surtout l'embrasement, des fois, permet de réduire un petit peu la guérison sur ses sorts. En général, on part plutôt sur un embrase. Maintenant, honnêtement, pour inciter un gang de Maokai, ça peut marcher, je pense. Ouais, ça peut marcher. Bon, bah, écoutez, on va voir la game qui est lancée. Donc, du coup, on va être dedans. C'est bien fait. Est-ce qu'on a du skin du côté des spectateurs? On a du skin. On a une Riven Repenti, on a une Soraka Dryad. On a un Soraka qui, depuis la refonte, est bien plus sympa. Parce que clairement, avant, on aurait dit un peu une handicapée. Et là, c'est plutôt pas mal. Donc on va voir, et en face c'est pareil, il y a Sergi qui nous a sorti du skin également pour Sasuna, plutôt bel gosse. Et ouais, bon, mais du 3 pour 2, avantage psychologique, je pense à l'équipe de Riot qui part avec un gros avantage là, sur lui. 4 pour 2. Ouais. Non. Ah oui, 4 pour 2, pardon. Tu te calmes. Donc oui, Morgana, donc ISP qui est le seul dans l'équipe de Riot et Asus à ne pas avoir de skin. On va mettre tout de suite les différents rôles en face. Voilà. Donc la botlane en face de la botlane, etc. etc. Le but, c'est vraiment de pouvoir comparer rapidement le farm et les différents choix stratégiques sur les items. Ouais, du coup, nous sommes dans la game et c'est parti. Je vais juste retirer le chat dans une première. Hop, voilà, ils c'est disent fait. Bonne chance, ils sont fair play. Ils sont plutôt sympas. Et au niveau des starters, on est parti sur des bots, armure d'étoffe des deux junglers. D'accord, on part sur de l'armure en premier. Et on les voit en bas sur la caméra, l'équipe de Riot et Asus en premier. On a ISP, donc le volontaire en deuxième. On a Karim, que vous avez pu voir, responsable marketing Asus de Asus ROG. Derrière, le troisième, c'est Spline. En quatrième, on aura Saergy, donc là, charmante demoiselle. Et en cinquième, on aura Zwin, le Corki, qui a juste détruit tous les spectateurs jusqu'à présent. C'est ça. Il est juste infâme avec son Corki. Il a jamais perdu, je pense qu'à peu près, en moyenne, par game, il fait 9-1, 9-1-9, ou un truc comme ça. Donc c'est vraiment, il est infâme, hein, son Corki. Ouais, et on va voir s'il va réitérer l'exploit là-dessus. Donc là, on peut voir le Maokai qui fait son petit travail. Voilà, il est en train de mettre des arbustos à droite à gauche pour essayer de cover sa jungle avec ses collègues derrière. Pas d'invade. Alors qu'on a une Morgana, on aurait peut-être pu tenter ça. C'est vrai que ISP, je pense qu'il est parti sur sa cage en premier, assez logique là-dessus. Mais on reste assez safe là-dessus. Ouais, on ne veut pas donner du first blood. Ouais, il préfère jouer un peu défensif là, les deux équipes. Pourquoi pas. En tout cas, on voit un starter plutôt original de la part de Warwick qui part sur une Doran Ring. C'est quand même assez peu commode, la spleen, pourquoi pas, hein. Faut savoir que la P permet d'avoir un peu plus de dégâts en early, un peu plus de régénération, un peu plus de mana. Le bémol, je pense, c'est que sur un gank de Maokai, ça peut aller très vite, hein. Il y a une fatigue de la part de Riven, il y aura probablement le buff rouge sur Maokai, donc faut faire attention. En tout cas, faut pas que spleen push sa ligne, sinon il risque de se faire tuer assez rapidement. Alors une fois de plus, il faut un énorme pool pour le jungler. Alors espérons que ça reset pas comme la dernière fois, parce qu'ISP il était un petit peu déçu et la botlane avait perdu énormément de temps. Donc là c'est fait assez rapidement, ça va. Ils ont pas commencé des deux côtés au niveau de leur wolf, ils ont préféré commencer directement au blue buff et faire la jungle. Pourquoi pas, c'est vrai qu'en général on commence au loup, hein, pour prendre un petit peu d'avance en termes de timing, etc. Puisque vous perdez peu de temps, vous êtes bien aidé, etc. On vous conseille en tout cas de commencer au loup. Ça, en tout cas, les deux junglers qui n'ont pas eu le strong pool, hein, donc ils ont dû tous les deux claquer leur châtiment, donc leur smite. Ouais, c'est ça. Et puis c'est voilà, deux jungle. Spin qui met la pression là, hein. Il fait des bons dégâts, il a raison, hein. Riven au niveau 1 n'est pas un champion très 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 monstrueux tant qu'elle n'a pas au moins deux sorts, hein. Elle a des dégâts, mais on voit qu'en tout cas Spin gagne les trades, les échanges. Ouais, et la ward qui a été posée en bas là tout de suite par la Soraka des viewers qui ont posé ça pour annihiler un petit peu le bush control là par SRJ pour éviter de prendre beaucoup de POC et pour toujours avoir un œil sur cette Sona. Donc ça c'est bien fait, c'est assez logique. Et du côté des deux junglers, on en est à peu près au même endroit. Mais vu qu'on n'a pas bénéficié de hardpool, on peut pas faire le raid forcément très rapidement de suite. On va attendre le retour du smite et on va aller se diriger vers les golems tout de suite. Karim qui fait d'abord ses golems. Et même chose, hein, de la part de Maokai. En tout cas là, Spline, Salen est en train de pusher, hein. Vous voyez qu'il y a beaucoup plus de minions range que de minions range de la team adverse.
Du coup, Saline va s'avancer là. Peut-être qu'il va s'exposer à un gang de Maokai si Maokai n'est pas trop low HP. Mais on voit que Maokai il a des difficultés en stratégie. Oh là, le bon pour Aizu. Sergi là. Oh, il force le flash out. C'est bien fait là. Attention, Diwin qui prend très très cher. Aizu qui est bien là, qui est bien dans son début de game. C'est pas évident pour les Rioters sur cette bot lane. Toujours pas de gank de la part des junglers qui viennent à peu près. Alors, Amumu voilà, vient de terminer son red buff. Il est double buff. Il est vraiment bien devant, hein. Bien devant Maokai. Ouais, Maokai ouais. Qui n'a pas de raid et qui a plus beaucoup de points de vie là. On voit, il est un peu dans la tourmente. Les botlane ils prennent très très cher aussi, ils ont plus de mana et ils sont obligés d'être, d'être sous tour, ils attendent un petit peu. Ils prennent le bon poke de la part de la composition des spectateurs là. C'est clair, en tout cas c'est plutôt bon augure hein, pour Spin parce que là honnêtement il est assez avancé, il a réussi à activer le passif de Warwick donc en mettant Riven à moins de 50% de points de vie pour avoir le buff de Move Speed. Ça lui permet un peu de compenser hein, le fait qu'il n'ait pas de bot. Mais du coup, Maokai, lui, honnêtement, il a, on voit qu'il a un peu de mal hein, quand même là à farmer la jungle rapidement. Ouais, ouais. Il voilà, a le ping là sur la top lane de Karim. Karim 95. Ouais, qui est chaud là, qui a son double bar. Peut-être tenter un dive sur la Raven, ça me semble assez compliqué. Où il se montre vraiment. Oh, le tower dive, oh là là, il est chaud le. Regardez, Ritual Kick, Chronic Knight. Et le first blood qui va être pris par l'équipe. Des Rioters, ils font le taf. Oh là là là, le gang de Miracle, la bandelette qui passe et tout. Ouais. Miracle, il est chaud. Le dive sans complexe, vraiment bien fait. Il a claqué son flash, mais ils ont récupéré le first blood du coup. Et c'est Warwick qui le prend, donc c'est pas un perso à feed aussi, parce qu'il devient assez tanky par la suite, assez monstrueux. Et là, ils s'en tirent très bien. Hein, ah, mais on voit qu'ils ont révisé hein, le staff Asus là sur la top lane. Warwick, on vous rappelle, les deux joueurs là sont du staff Asus. Ils ont bien révisé leur leçon. Ils se sont bien entraînés. Hein. Ils voulaient nous impressionner, je pense. Ouais, je pense aussi, ouais. Donc là, ils sont plutôt bien partis, en tout cas. Une fois de plus, ils nous prouvent qu'ils font pas que développer des jeux, ils savent aussi y jouer. Donc ça se passe très très bien. Par contre, botlane, je pense qu'il doit avoir un petit peu de mal. Ouais, on le voit au niveau du farm, il a une quinzaine de creeps d'écart avec le Graves. Graves, il est très bien. On l'avait dit, c'est une botlane qui est très tanky, qui a du burst également. Mais c'est vrai que Jiwin nous avait vraiment impressionné lors de ses précédentes games et du coup là il a un petit peu à mal, ça change on va dire. Ouais ouais, Aizu qui fait un très très bon taf avec son Grave soutenu donc par sa Soraka, donc Common Romeo. Ouais. Voilà, il pourra pas avoir ce creep sous la tour, il va peut-être perdre un peu de farm hein, sous la tour, c'est pas forcément toujours évident, hein. Faut avoir une bonne savoir avec le support. Oh là, le gank sur la mid-gate. Maokai, Black Shield, voilà, Black Shield c'est bien fait claqué. Là. On essaie de tampon mais il prend quelques dégâts, il a plus de mana, ISP, il a été obligé de flash. Ignite qui a été claqué, ça ne suffira pas, par contre il a plus beaucoup de vie, il faut faire attention. Et Mira qui était en backup derrière, donc pas de problème. On va l'empêcher de continuer tout ça, donc plus de peur que de mal pour ISP là avec sa Morgana. Le Black Shield qui est très intéressant, qui le rend très très safe sur les contrôles au niveau des ganks, puisqu'on le rappelle, il annule tout entrave au final sur son personnage. C'est clair, et c'est pas évident sur la botlane là, de Ziwin qui n'a plus beaucoup de mana, et le pauvre, hein, la Soraka qui juste... Une véritable Soraka fontaine hein, qui donne énormément de mana, énormément de points de vie. Vous voyez là, il le guérit, ouais, il donne de la mana, etc. Aussi. Donc c'est pas évident à gérer, je pense, de la part de la botlane, la CRJ et Ziwin qui sont un petit peu sous pression. Ils sont un petit peu sous pression, mais bon, il arrive à farm, c'est l'important. Il n'est pas trop en retard là-dessus. Faut voir par la suite, c'est vrai qu'on n'a pas eu de gang sur cette botlane encore et je pense qu'ils en auraient peut-être vraiment besoin que Amumu vienne leur prêter main forte parce que pour l'instant c'est pas de bon augure pour eux et c'est très très agressif. Vous voyez les gros dégâts que pense à RJ avec sa Sona, c'est juste infâme. Aizu qui est et très le tanky, gang qui sur la top lane ici, la Maokai qui se déplace là vers Spleen. Spleen qui n'a pas encore back, hein, il a le first blood mais il a pas back, il a juste le Doran Ring. Oh, il a pas eu la vision, il va essayer de tempo aussi. Il passera pas le Alak pour repousser un petit peu le Warwick. Le snare, le A, ouais, mais ça suffira pas, tanky, je pense. Ouais. Il est assez tanky, malheureusement. Il avait son flash, il était vraiment bien. Oula, attention, oh, c'est bien fait. Le Spirit, il va aller peut-être le récupérer. Non, le flash tout de suite, il essaye de tempo. C'est dommage, il n'était pas à portée de la main. Le glitch peut-être, il a le buff de Move Speed. Oh, oh là, il a pas de chance, il est déçu là. Speed, la bonne potion là de la part de Spirit of Light pour se guérir un petit peu, pour pas tomber hein, sous les coups du Warwick de Spleen. Et là on voit Karim un petit peu la Miracle 95 là, sur la top lane avec son Amumu. Ouais, tandis qu'ISP était descendu là sur cette bot lane pour leur prêter main forte, tenter un gank. Malheureusement la cage qui n'est pas passée, qui a touché un sbire. Et du coup ça a été un petit peu reboot. Allez, attention, Miracle qui va aller récupérer le blue buff. Je pense qu'il va peut-être le laisser là, il peut le laisser à sa Morgana. Ah, il a pingé, il va laisser le bleu, normalement il le prend j'imagine. Mais là comme il passe à la caméra, il est sur la scène, il va faire le mec sympa. C'est vrai que ouais, d'habitude il préfère le garder hein. Non, non, il donne normal, hein, il donne le bleu de 7 minutes 30 hein, à ISP.
Oh, ouais, le pot qui passe là, le Black Shield un petit peu trop tard, je pense, de la part d'ISP. Et Warwick Splint qui ne veut pas back. Hein. Non mais vraiment, Azul joue très très bien avec son grave depuis tout à l'heure. Hip-hop, ils ont plus de mana, ils sont tellement sous pression que ça va être très 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 difficile par la suite. Heureusement, il arrive un petit peu à farmer, mais on peut voir qu'il y a quand même pas mal de retard hein, pour D-Win là, et qui a trouvé un adversaire honorable là sur le coup. Ouais, c'est clair, mais honnêtement, Splint, check les golds de Splint parce que je pense que là il a pas mal de gold. Je sais pas s'il essaie d'économiser pour acheter une maison, mais là 1700 gold. Ok, peut-être qu'il part sur un au bout du rouleau first item parce qu'au final on voit qu'il est suffisamment bien pour ne pas partir sur des ninja tabi. Il a pas forcément besoin pour l'instant de régène, enfin d'armure, puisqu'il domine vraiment bien sa top lane. Hein. Ouais. Et puis Mira qui lui va aller récupérer donc sa jungle, son red buff. Là où il met tellement la pression, mais il a toujours pas back comme tu dis, donc je pense que ouais, il va vraiment acheter une maison et je sais vraiment pas sur quoi il va partir. Si tu préfères attendre ouais, avant d'avoir Mastu. En tout cas, il attend bien à la fin du bouclier de Riven hein, pour passer ouais. Le petit coup de griffe qui fait du bon arras. Il y a le gank de Maokai, mais il a le buff, hein. Il a le buff de Moonspeed là, Warwick. C'est, ouais. Ça va être c'est pas évident à le tuer, je pense. Il va prendre le kill, l'ultime, l'embrassement. Il s'est tempo, ça marchera pas malheureusement. Et derrière, on a le backup de Maokai. Mais je pense que ça suffira pas. Il fait un V10 sans problème là pour l'instant. Splint avec son Warwick, c'est juste infâme. Splint instoppable là sur la top lane. Ouais, bah, il met vraiment la pression. Et la Raven qui peut pas faire grand chose. C'est pareil, SP qui au mid est plutôt pas mal face à son Galio. Mais face au Galio. Mais du coup, au niveau du farm, ça reste assez serré. Attention, la Mira qui se fait. Oh, la Valkyrie assez agressive là pour essayer de choper. Oh, c'est bien fait, Luthi ça, qui est claqué, Luthi. Le burst, le heal de la part de Soraka, le flash claqué. Oh là là, il y a tellement de régène de la part des rouges que ça ne suffira pas malheureusement. Mais c'était très très bien fait de la part des rouges. Attention, Mira qui va aller chercher. Attention, il a pas de vie. Flash, bon, il est un petit peu paniqué là. Il a panique là. Et il y a Galio qui arrive, faire attention. Galio, le flash ulti de Galio peut-être. Non, il y va pas, il change d'avis. Ça aurait pu le faire, hein, je pense, un flash ulti derrière avec un embrase. Ouais, la Sona derrière... Kenny va aussi, donc c'est RG qui ne prend pas son ultime. Hein. Pas son... Ah, ça y est, elle l'a pris. C'est... Parce que la dernière fois, elle faisait ça, alors je savais pas si c'était technique ou pas. Elle prenait son ulti niveau 8, mais. Je pense que c'était juste un oubli, hein, tout simplement. Ouais. Le pot qui passe encore une fois sur Riven, c'est pas évident hein, de shield. Les griffes, faut être vraiment méga, méga réactif. C'est vraiment pas facile du tout pour Riven. Ouais. En tout cas là, Splint n'a toujours pas back, hein. Cet homme a 2175 de gold. Est-ce que je pense qu'il va peut-être partir sur un au bout du rouleau first item puisque avec des bots, puisque l'au bout du rouleau proc hein, donc sur l'ultime, c'est-à-dire que quand vous faites l'ultime de Warwick, vous mettez plein de d'effets hein, du au bout du rouleau qui fait énormément de dégâts hein, sur Riven. Et ça pourrait être sympa, pendant que la Riven elle perd probablement sur un Hexdrinker je pense. Ouais. Pour tanker un petit peu le gank encore une fois de Maokai sur la top lane, mais c'est Splint hein. On gank pas Splint comme ça, cet homme n'a pas le temps, il est niveau 9, il a son ultime, il a pas son embrassement. Allez, il claqué, là. Peut-être à la fin de Splint, il faut l'encourager, là. C'est pas évident, il commence à courir, non. Il a pas son buff de Splint, il est slow, oh, l'exhaust la fatigue, le flash out, l'ultime de Maokai. Ah, ça suffira pas, ils vont pas pouvoir le dive, il est bien trop tanky pour l'instant, c'est vraiment pas évident malheureusement, ils ont que du contrôle, je pense qu'ils ont pas assez de dégâts et ils n'arrivent pas à concrétiser sur cette top lane. Il y a le gank de ISP là, ISP qui back up peut-être, ulti de Warwick, le flash out, flash ulti, c'est bien fait. Et tu as qui tombe, l'ulti qui touche aussi le pas Maokai qui est dans la menace là, ils vont peut-être aller le chercher ou pas. Ça proc le passif de Warwick, non on n'y va pas, en tout cas c'est très bien fait de la part de Riotter. ISP qui s'est montré très agressif là. Ah, le flash in très très ballsy, la DSP qui est bien suivi par Warwick. Ouais, c'est RG qui a dû flasher, attention, Aizu qui est tellement tanky, il se permet même de partir directement sur une BF, il a terminé ses bots. Donc généralement on fait plutôt des Doran etc pour essayer d'avoir un peu plus de points de vie, tanker un peu mieux, mais lui il a pas le temps, attention il va récupérer le heal, oh le heal. C'était chaud, le bon bait là de Zwin hein, qui a claqué son heal au dernier moment, la smoke là pour temporiser un petit peu. Non ça ne suffira pas malheureusement. Non mais attends, Splint il a fait un pari ou quoi? Parce que le mec il veut pas back avant la 20ème minute. Non, je finis la game avec une Doran Ring. Je pense que c'est ça. Bah, il se dit qu'il joue un perso assez pété pour ça donc clairement. Des barres. Ouais. Et ils sont trois maintenant contre Splint. Alors cette fois c'est un petit peu... C'est un petit peu Rambo sur la top lane. Il a jamais eu de ward en plus, hein. Il y est un petit peu à l'aveugle. Hein. Yeah, il a pas peur. Allez, attention, ils vont y aller. Il 1v3 contre Splint, le flash in ultime. Sur Splint, est-ce que ça va suffire l'Ignite et Splint qui tombe enfin. Bravo. Oh là 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 là, ils ont enfin réussi à le faire tomber. Et voilà, il a back. Maintenant, ça y est. 13 minutes de jeu, il a enfin back à la base. Il va revenir avec un bazooka. Parce que là, il avait un petit peu 2500 gold.
pense qu'il a c'est scandaleux. Ouais, c'est un petit peu scandaleux. Ah d'accord, bon. Non, il a part. D'accord, je pensais vraiment qu'il allait partir sur un au bout du rouleau, mais non. Au final, il fait un visage. Ah mais il veut pas de mobilité quoi. Non mais ce mec prend pas de bottes. Là je crois qu'il a même plus de gold. Hein. Ah si d'accord, ok. Il manque 5 de gold. Ouais ouais. Alors là je suis surpris, je pensais vraiment qu'il allait partir genre méga offensif, hein, histoire de speed un maximum. Mais non, au final il est vraiment plutôt un joueur plutôt sec. Oh là. Spleen, cet homme n'a pas le temps. Il prend pas de bottes, il a pris 4 wards. D'accord, il veut rester encore plus longtemps sur cette top lane, je pense. Au départ. Ok. Bon, je pense qu'il a quand même une bonne mobilité avec son passif. Attention là, c'est RJ qui risque de prendre très cher. Oh les dégâts insane d'Elzu avec son Graves. Ils sont vraiment mal sur cette bot lane. Je pense qu'il devrait se faire aider par Amumu. Amumu qui a tenté quelque chose depuis tout à l'heure, mais c'est très compliqué également. Ouais, parce qu'on a beaucoup de tanking, on a beaucoup de régène, on a beaucoup de vie. Donc honnêtement, la solution semble assez compliquée. Et là, on est à 14 minutes de jeu. La game qui est assez serrée. On a seulement 800 gold d'écart entre les deux équipes. Donc ça va, je pense que là, ils ont trouvé vraiment une équipe qui est assez équilibrée. Ouais, ouais, c'est très serré. Honnêtement, Alzu, je pense qu'il y a moyen qu'il fasse le taf. Hein. Il a farmé très, très, très bien avec son Graves. Il met énormément de pression sur Zwin. Ouais. Là, le pauvre Ritual maintenant, parce que là, Warwick mettait la pression. Il n'avait pas d'item. Il fallait être 3 pour le tuer. L'ultime qui est claqué sur la top lane. Qui traverse celui par Karim. Le flash in 2. Karim, l'ultime. Oh, l'ulti qui touche sur Ritual. Espin qui récupère le kill. L'ulti qui touche du bout. Mais vraiment à rien du tout. Et là, Karim qui connaît très bien son perso. Hein. Il connaît parfaitement la zone de l'ultime. C'est ça, ouais. Bah, ouais. Et le flash ulti là, très très bien fait. Qui prend le kill là sur Riven. Il lui a laissé aucune chance. Hein. Ouais, aucune chance. On peut faire un tour au niveau du farm. En tout cas, on voit que sur la bot lane, c'est quand même l'avantage pour Graves hein, toujours qui est très bien. Là où Warwick domine complètement la Riven. Et au mid, ça reste assez serré. Le match-up intéressant entre ISP et son vis-à-vis superbe qui lui joue Galio. Ça se passe très bien, je pense, des deux côtés des mines. Avec une jolie décale tout à l'heure de la part d'ISP qui a donné le kill sur la top lane. C'est clair. C'est clair là, ISP qui veut décaler sur la bot lane je pense, mais il y a une petite ward là, on voit au niveau du bush, il va passer dans la ward là très bientôt. Ça y est, il est maintenant là, il est vu par Alzu. Alzu va prendre la fuite là, on voit, il court, peut-être une cage magique. Ah, il y a les minions, c'est dommage. Les minions qui vont pouvoir intercepter cette cage. Et en plus il avait bien sûr son dash, hein, son E pour esquiver potentiellement une cage bien placée. C'est ça. Et la ward qui vient de se terminer à l'instant hein, au niveau de ses bush. Donc ça va juste remonter sur la mid lane, toujours pas de Drake envisagé pour l'instant, pas de... Superman team push là avec son Galio, il y a ISP derrière, peut-être une cage d'ISP suivie par Karim, on va voir la cage qui est tentée là, qui passera pas. Ouais c'est dommage, mais la game là qui se pose un petit peu, on essaye de pousser les adversaires à l'erreur et là on voit Maokai qui va venir très certainement en sneaky sneak. Non il fait le tour malheureusement, il va être vu par la ward, attention ça joue très agressivement. Là c'est Wynne, très loin, HP est l'ultime. Quelqu'un qui avec l'embrasement, mais ça suffira pas. Hein. Le flash out de Sergi peut-être un petit peu peut-être surréagi, je ne sais pas, mais je pense pas qu'elle était vraiment, vraiment totalement en danger. Là, la Riven qui est vraiment mal. Hein. Elle est mid-life et le Warwick a son ultime, il a pas. Oh là, le tower dive. Le flash de Jiwin là pour essayer de tempo sous sa tour, c'est bien fait. Bien fait là. Et malheureusement, Graves qui manque un petit peu de chance là sur cette action, qui n'aura pas pu récupérer le kill. Et Jiwin qui va pouvoir back. Est-ce qu'il va pouvoir back ou pas, ou est-ce que... Non, Elzu qui revient à la charge. Il va l'embêter, donc voilà, on s'en une va. Jolie poke là de Sergi sur Alzu. Mais la top lane en difficulté, hein, faut le dire. Hein, la Riven qui est mid-life. Non, le Warwick a bientôt son embrasement. Il a son ultime. Ça va être très très pourrait aller très très vite. Mais faut pas oublier l'Exdrinker. Hein, l'Exdrinker qui peut surprendre. Je pense qu'ils peuvent pas le prendre. Là. Ah, l'ulti qui a été claqué. Aizu là qui se fait choper un petit peu sur Karim, la bot lane. Karim, l'ulti de Karim qui prend le kill sur Alzu. C'est bien fait. Karim qui récupère le kill sur cette bot lane. Très bien fait. 4-1 pour les Rioters. 4-1 pour les Rioters. 2k gold d'avance en leur faveur. Ils sont vraiment bien dans cette game pour l'instant. Mais on va voir. Je pense que Graves, il y a moyen de faire le café au niveau des premiers teamfights. Le gank encore une fois là sur le Warwick. Mais non. Non, mon ami, tu n'auras pas spin comme cela. Vraiment trop tanky. C'est lui qui est très tanky, qui n'a pas de bot, hein, honnêtement, c'est très 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 rare de ne pas avoir de bot sur la table. Et il s'en sort très 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 bien. Au final, il est à l'aise avec son style de jeu, il a posé une ward là ici pour donner la vision sur un potentiel gank de Maokai. Alors Maokai débarre, Maokai qui a fait le tour là, il a voulu le surprendre, mais non, Spin a été plus malin, il a anticipé le contournement là de Maokai et donne la vision là, c'est très 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 malin sa part. Ils peuvent pas faire grand chose, je pense qu'ils s'acharnent un peu trop sur cette bot lane au final et cette top lane pardon et la Warwick qui est vraiment pas prenable pour l'instant, il est safe, il est trop tanky, ils pourront pas le tuer, hein. On a vu ils ont dû aller à 3 en mettant tout.
Oui, en mettant tout l'ulti, enfin tout ce qu'il fallait, le Galio, etc. Mais c'est pas passé, enfin c'est passé, mais c'était très très long. Il avait pas encore acheté, c'est ça le problème. ISP qui a encore le Black Shield, là le Black Shield qui a explosé. Le sapling, le flash out l'a bien fait parce qu'il se serait fait route, je pense, par Maokai. Je pense pas vraiment qu'il l'aurait. Enfin, je sais pas s'il serait mort, mais en tout cas. Non, il aurait pu être en difficulté, non, parce qu'il avait quand même son ultime, enfin son ultime et quand même des dégâts hein, pour temporiser, pour régénérer un petit peu le backup de Karim sur la mid lane pour potentiellement faire un counter gank qui a pas un ulti là sur Mu, donc c'est pas forcément facile. Ah, il a utilisé sur la bot lane tout à l'heure pour récupérer le kill, il a back à la base tranquillement et en bas on agresse. C'est bien fait là, c'est bien fait, il prend l'agression en 2v1, Ziwina qui prend l'ascendant là sur Alzu. Non, qui va pas aller le chercher, c'est que Soraka doit être en backup, qui va revenir et là il prendrait le retour. C'est assez compliqué au final sur cette bot lane. Diwin qui n'est pas très bien dans sa game, mais qui farbe tout de même, qui ne se fait pas trop distancer à ce niveau-là. Et heureusement pour lui, on a vu qu'il y a eu de belles actions de la part d'Amumu, là, Karim qui descendait plusieurs fois. Ah, c'est clair, hein. Sur la bot lane, là, Karim très très à l'aise avec son Amumu. Hein. Ouais, on nous l'avait dit, on nous a dit qu'il jouait beaucoup de Jax à Amumu. Parce qu'on a ISP qui lance son Black Shield vraiment trop tard à chaque fois. Bah, il prend les dégâts, il le lance après. On vous conseille d'appuyer sur Alt et E1. Alt qui permet donc de faire un sort sur vous-même directement pour pas avoir à vous cibler, c'est plus simple. En tout cas, il y a la décale des familles. Ah, c'est bien ça, Mimu qui a récupéré Orak, qui va pouvoir déward un petit peu, essayer d'annihiler ce map control adverse. Yes. Donc là, il est complètement vu, c'est pareil pour ISP, donc pas de soucis. Voilà, ça va déward. Et toujours pas de Drake envisagé, ça c'est à 20 minutes de jeu quasiment. Aucun Drake n'a été fait, je pense qu'ils pourraient peut-être essayer de forcer le fight là-dessus. Ils ont une bonne compo avec Sona, avec Amumu, avec Morgana. Et tout ça au niveau du Drake, donc c'est un petit peu dommage, je pense qu'ils devraient vraiment tenter de le faire. En tout cas, ISP là qui a maxé donc son Black Shield après son Z avec sa Morgana. Pourquoi pas, écoute, c'est quand même assez rare en général, on max la carte, là ça engage là sur le niveau du blue buff. Et non, il a mis l'ulti là, Karim, pour essayer de voler le bleu, mais il a pas réussi. Hein, finalement, Superman qui s'en sort et qui prend quand même le blue buff. Ouais, et tout là qui est un peu en tourmente, hein, il se fait bien poke hein, par les roquettes de Ziwin. On a bien vu que c'était un petit peu un sniper hein, avec ses roquettes. Ouais, bah c'est vraiment pas évident en tout cas, là, la game qui se pose énormément, ISP qui va aller récupérer son blue buff à l'aide de Miracle je suppose. Et puis on va essayer de voir ça parce que ça bouge pas des masses. J'ai cru voir que Spleen avait back, ah oui il a vraiment back. Ouais il a back et là il part sur un haut bout du rouleau, là Warwick qui part sur un haut bout du rouleau, c'est l'item. Je pensais qu'il allait commencer par ça puisque ça aurait peut-être permis de vraiment asseoir sa suprématie hein, sur la top lane en général. Quand vous dominez énormément, vous partez plutôt sur les dégâts et quand vous faites dominer, vous partez plutôt sur la défense pour essayer d'un petit peu survivre et ne pas... Enfin, le but, c'est de pouvoir farmer. Donc, en tout cas, là, ça y est, il a des bots, il a bientôt... Je pense que quand il aura au bout du rouleau, ça va devenir compliqué, hein, honnêtement, pour la Riven. Maintenant, la Riven a pu rattraper un petit peu son retard. Elle a X-Drinker, elle a les bots de Mercure. Les bots de Mercure qui sont pas vraiment d'une grande utilité contre Warwick parce que, on vous rappelle, donc l'ultime est une suppression. C'est ça, et donc, n'est pas réduit hein, par la ténacité. On la cache qui est passée, là. Sur Super, on va pas aller chercher. Encore une fois, un petit peu de retard, le Black Shield. Ouais, Warwick qui a décalé, donc je pense qu'ils veulent faire le Drake là, à mon avis. Ça, c'est voilà, ça, ça a été ping, ça ping. Mais c'est Ward et la Riven qui ne sera pas là, donc là, s'ils essayent de défendre ça, ce sera du 4v5 et ça risque d'être compliqué, surtout avec le Warwick qui est juste hyper bien dans sa game. Voilà, c'est engagé, c'est pull tout de suite. Ça ping du côté des rouges, mais la Riven qui bougera pas, attention. Karim qui déward. C'est un petit peu chopé. Karim qui allait déward la ward sur la bot lane, peut-être la bot lane, non, il va jouer safe, il y a une ward au niveau dragon, il va la voir là, ça y est, la ward, elle est vue, voilà, il va bon. La péter, non. Oh les bots, les dégâts, les flashies, oh là là. Il se fait découper, il a plus ulti, le flash ulti de la base superbe qui se fait reset par la Sona et Graves qui récupère le kill. Tombe. Oh, c'est très bien fait, attention, il s'est chopé. Il donne tout pour aller choper Alzul avec son Graves. Oh là, ils sont dans la tourmente là, c'est peut-être, ça va être l'ultime de Spleen là sur Superman, Superman qui prend très cher l'ultime. Oh, mais il temporise tellement bien là les spectateurs. Le shield de Galio, Alzula qui dash. Oh, c'est pas évident. Ziwin il a très très bon point de vie là. Superman qui va peut-être tomber là. Ouais, c'est pas évident. Il tombe. Ouais, c'est récupéré par Splitshine. C'est bien fait. Derrière on a le backup de la Soraka avec le Maokai. Mais c'est très compliqué. Le doublé de Alzu Warwick qui se fait tower dive là. Très 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 bien fait. Et Spirit of Light il prend le kill là qui flash out. Oh, c'est bien joué là. Sayergi qui n'a plus de mana. Le qui flash. Qui flash out. Ouais. Okazu, Warwick y va. Spin il a l'écro là, il a envie d'y aller, mais c'est pas évident, il a plus d'ultime, il a pas d'embrassement, mais il a quand même son flash. Oh là, je pense qu'il va pouvoir prendre le kill, oh là, il a le buff de speed, c'est bien fait là. Oh, il lui met bien cher, c'est compliqué, il y a la Soraka derrière. Il temporise un petit peu là, son A, je pense, il va certainement y retourner, je pense. Non. Ça va pas fait. Finalement, non, il change d'avis, il va vers la top lane, puisque Riven, au final, là, continue de push encore et encore.
Ouais, Raven qui en profite et qui récupère donc la tourelle top. Et au final, pas de Drake qui a été fait, donc ouais, pas de Drake. Tout rentable. En tout cas, joli ulti, hein, flash ulti de Galua qui a fait, qui a pu cesser, donc contrôle 3 de la team des bleus là, la team du staff Azutriot. Je pense que ça a bien sauvé puisque la Sona avait, enfin la Soraka avait pris très 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 cher hein, par Ziwin. Ouais, elle avait pris très cher, mais au final, je trouve que c'est plutôt une action rentable pour les rouges, pour les spectateurs qui s'en tirent très bien là-dessus. On peut le voir, 6-3, mais au niveau des golds, il y a 700 golds de différence. C'est pas grand-chose, c'est rien du tout, surtout à 23 minutes de jeu. Donc moi, je pense qu'ils ont été assez rentables là-dessus. Heureusement, du côté des Rioters, ça aurait été assez pénible de perdre l'oracle sur Mira qui a survécu également. Donc non, bilan assez mitigé, il n'y avait pas la Riven et ils étaient 5v4, faut pas oublier. Ouais. Donc moi je trouve qu'ils ont vraiment bien géré la chose là. C'est clair, ils ont très très bien géré le teamfight. En tout cas, on voit des différences de stratégie imprises. Maokai qui lui ne part pas sur double gold item, hein, qu'on peut voir en général. Philostone le gang sur la top lane là. Mais à mon avis, je pense pas. Hein, je pense que Maokai s'acharne peut-être trop hein, sur Warwick. Warwick est trop tanky là. Il a pas encore son au bout du rouleau. Mais il est impossible à tuer un spin maintenant avec son Warwick, je pense qu'ils ne pourront jamais le tuer à part s'ils sont 3 ou 4, mais bon. Est-ce que vraiment ça vaut le coup? Je ne sais pas, je pense pas. Non, je pense pas non plus, il perdait beaucoup trop de temps malheureusement dessus et derrière, si Jiwin est laissé tout seul, il fera un taf énorme et il aura beaucoup de burst. C'est ça. Non, je pense que ça vaut vraiment pas le coup et puis Maokai c'est vrai qu'il s'est vraiment acharné sur cette top lane et au final pour pas grand chose, il faut l'avouer, ils l'ont récupéré une fois, ils étaient 3, ils ont claqué moult ultime. Et ouais, c'est enfin passé, mais sinon... Il a essayé d'aider la Riven, mais c'est pas évident. En tout cas, la Riven qui est revenue au farm, hein, elle a pu récupérer du farm pendant que Warwick était sur la bot lane. Mais est-ce que ça va suffire? Ça va pas être facile. Il y a un K-Gold d'écart. Joli réflexe là, du public là, qui se regroupe au mid pour pusher cette lane et prendre la tour. C'est bien fait là, joli décal de la bot lane. Oh, ça ping, ça ping, assure. Il y a peut-être moyen de faire quelque chose. Ça RJ qui s'avance, le dash, les bombers. Ouais. Oh, le crash est un petit peu raté là. Fait, malheureusement, le c'est slow compliqué. Qui passe sur Ziwin, le speed. Oh, l'ulti qui l'ulti fait pas assez de dégâts. L'ulti qui est claqué, Serge qui va peut-être tomber là. Le Serge shot qui passe. Pu-pi. Oh, Elzu qui récupère le kill, c'est très bien joué. Peut-être le double kill de la part d'Elzu qui signe un doublé. C'est très bien fait là, de la part de Graves. Ils sont allés chercher malheureusement l'ulti de Serge qui a été un peu mise, peut-être la panique. La panique, ouais, le stress, hein, c'était pas évident, il s'était poursuivi en tout cas. Là, le public qui repasse devant en termes de goal. Un K goal d'avance, peut-être. Que Riot et Azus vont se faire battre pour la première fois de ce salon, ils n'ont jamais perdu. Ouais, le Dragon qui va être entamé, qui va être terminé sans problème, je pense pas que malheureusement Amumu puisse faire grand chose. Au moins tenter un suicide smite, mais ça ne passera pas, voilà, c'est fait, c'est récupéré. Donc pas de problème, et là-haut Spin qui n'en finit plus, alors Spin qui est pas souvent là pour l'instant. Spin qui est inarrêtable. À partir des premiers teamfights, des réels teamfights, je pense que... Ah là, non, mais là, honnêtement, il pouvait pas backup, il avait pas le temps, non, la botlane qui meurt, etc. Enfin, c'était pas évident. C'était beaucoup trop tard, là. Ouais, je pense que là, Spin pouvait rien faire. En tout cas, Maokai, hein, qui a vraiment pas de gold item, alors que Karim, il est parti sur un cœur d'or, beaucoup plus standard en général dans la jungle. On part souvent sur des objets à gold. L'objectif, c'est de gagner de l'argent au cours du temps pour pouvoir être plus puissant en mid late game. Je pense que là, il doit avoir un écart sur les junglers. Hein. Check les jungles, l'argent des jungles, malgré le dragon, mais. Et les deux tours. Bon, il y a deux tours plus un dragon, mais il y a quand même un K-Gold d'écart entre Karim et Maokai. 3 assises de différence, mais je pense pas vraiment que ça va. Enfin, ça compense hein, les deux tours et le dragon. Ouais, la Riven qui a beaucoup d'argent, elle a 3 K-Gold sur elle, donc je pense que soit la partie offensive, soit défensive, elle va essayer de stuff un petit peu. Ça fait longtemps qu'elle a pas back aussi. Ouais. Donc je sais pas, peut-être une BT, on verra. Le gank de Karim là sur la botlane, suivi par ISP. Karim qui a bien des wards là, il n'y a pas de vision sur la botlane, il y a peut-être moyen de faire quelque chose. Il y a Ziwin là qui passe un peu par derrière pendant que Serge est en train de bait un petit peu. Le flash ultime. Est-ce que ça suffit? Suivi peut-être par ISP. Flash ultime d'ISP également. Oh, Ziwin qui récupère le kill juste derrière. Alzu qui se retrouve tout seul, qui se fait la bonne bandelette là. La cage derrière qui passe et Alzu qui va tomber sous les coups de Miracle. De Karim Nasus, très bien fait, la joli décalage. On a vu que Sona s'en est sorti à pas grand chose, là j'avais un petit décalage au niveau de la caméra. Et c'est vrai qu'elle avait pris assez cher sous les coups du Graves. Attention, on a le Galio là en backup. Il a son flash, il a son ulti. Karim qui ne passera pas, qui va aller essayer de counter jungle très certainement au niveau du blue buff. Sans souci, ils volent la bleue, ils ont pas la vision, ils vont pas le checker, peut-être qu'il va la donner à ISP, je ne pense pas, on va voir, c'est pas évident, en général quand on counter jungle, on utilise son smite pour assurer le bleu. Hein. Il garde, attention. Garde le smite, hein. Il est ballsy, non, hein, il a quand même claqué. Il attend Maokai, c'est chaud. Il va essayer de récupérer, l'ulti qui est passé, et Mira qui tombe malheureusement. Ah là, Karim qui tombe ici, c'est bien fait là de la part c'est de Galo et Maokai. Et perd l'oracle là-dessus, mais je pense qu'il a assez rentabilisé vu tout ce qu'il a des wards depuis tout à l'heure, il est vraiment très très bien là-dessus. Et bon, c'est un petit peu dommage, c'est vrai qu'ils n'avaient pas de vision,
mais derrière les spectateurs qui ont bien réagi, qui récupèrent ça, donc fois 1000. On vous rappelle donc l'oracle qui permet de pour 400. Oula. Cet homme éternue un petit peu. Ah, je suis désolé. Donc oui, 400 d'or qui permet donc de donner la vision contre les unités invisibles. Ça permet aussi donc deux des wards. Les wards, à chaque ward cassé, hein, vous gagnez 25 de gold et surtout vous enlevez la vision pour la team adverse. Et ça donne un avantage conséquent à votre équipe. Ouais, Zouk qui a son IE, qui est parti sur Z, il va faire un Phantom Dancer. Il a de la gêne puisqu'il a un sceptre vampirique plus Soraka. Donc clairement, il est vraiment bien là pour l'instant dans la game. Et D-Win lui a terminé sa Trinité. Donc on rappelle qu'on est sur le patch actuel. Donc Trinité qui a été nerf notamment pour Ezreal, pour Corki, au niveau du slow, le proc du phage sur la réduction de vitesse. Il est passé à 15% au lieu de 20, si je ne dis pas de bêtises. Mais c'est pas horrible et ça en reste toujours des persos très viables là-dessus. C'est clair, et puis honnêtement, en tout cas, Graze est vraiment bien dans la game, hein. L'âme d'infini, bien que lanceur fantôme, et le Galio, franchement, c'est pas un mauvais pick, puisque Warwick fait des dégâts magiques, Morgana fait des dégâts magiques, Amumu fait des dégâts magiques, Sona fait des dégâts magiques, au final, ils font tous des dégâts magiques, sauf Corki, hein, qui a beaucoup de dégâts physiques, mais du coup, c'est pas évident, hein, à tomber ce Galio-là. Ah, ça back, là, ils prennent le fight, et Maokai qui ne bouge pas, c'est dommage, il y avait le Galio qui avait décalé. Bon, on l'a dit, Warwick qui a beaucoup de vie, qui est bien tanky, joli flash pour éviter tout ça. Est-ce qu'ils vont aller le chercher ou pas? Le flash ulti qui passe, ils vont tout lui mettre, mais il tank tellement qu'il s'en bat les reins à l'exhaust. Ils mettent tout, ils lui mettent la fatigue, tout. Le backup là de Maokai, il tombe enfin. La Tayat qui passe, Emira qui arrive, qui va mettre son ulti. ISP qui met la cage, qui claque le sien, qui touche deux personnes. Est-ce que ça suffira? Derrière, ils vont se retourner sur Maokai qui va tomber sous les coups d'ISP. C'est bien fait du 1 pour 1. On a vu, ils ont tout claqué pour Warwick. Et ça, oh là là là, c'est bien joué là, Ziwin et Zergy qui prennent le kill sur Grave, le flash in là pour faire tomber l'oracle. Et ça va marcher, tomber. Le proc du phage là sur horrible. La Trinité. Ah, oh, c'est pas évident, il claque son heal peut-être un petit peu tard là, de la part de la Sorka qui aurait peut-être pu le claquer avant pour essayer de supporter Graze. En tout cas, c'est bien fait, elle survit, c'est bien joué. Le Maokai, lui, qui a un cœur gelé, donc l'item qui permet donc de réduire hein, la vitesse d'attaque donc des unités à proximité. La Riven qui essaie de défendre sa tour un petit peu là. Seul ouais, redoute, sa casque seul, passe en dehors de la tour, il prend d'énormes dégâts là. Ouais, ISP qui est parti sur Rabadon là, donc qui est bien au niveau de la paix, il a combien? Il a 237. Je pense que ce serait bien qu'il fasse un Zonia, ça le mettrait vraiment bien dans la game. Cage, la cage qui passe, le tower dive probablement ici là. Et c'est bien fait, qui va tomber, qui va peut-être récupérer le kill juste avant. Il récupère le kill juste avant de tomber là, c'est très bien fait. Et Galio derrière qui met la pression mais qui s'était fait choper par la cage juste avant. Très bien joué, le cul là, de Galio qui a touché mais sous le Black Shield, le buff de Speed là c'est bien fait. Et Superman qui touche, l'ultime dans la flaque de Morgana, c'est bien joué, il y a le backup là de Maokai et Splin abandonne, hein, Superman le laisse partir, c'est pas évident, là Galio qui a 182 hein, de résistance magique et qui a sur surtout le niveau 18, donc il a son bouclier niveau 5 qui lui donne 90 de résistance magique. Check, peut-être, je crois qu'il a peut-être été nerfé il me semble, check Galio vite fait son Z, non ça n'a pas été nerfé, donc 90 de résistance magique et physique. C'est juste énorme, hein, et ça le guérit, mais juste tellement, le bouclier vraiment de Galio est vraiment insane. Ouais, il est vraiment insane, et en plus ça lui permet de régénérer. Non, c'est un petit peu horrible, mais là on peut voir qu'au final, les deux équipes font de bons moves, et ça reste très très serré, 11-9, malgré ça, on a deux tours d'un côté, une tour qui a été prise de l'autre, mais ça reste très serré au niveau des goals, et ça c'est plutôt pas mal, je pense que c'est la première fois qu'on voit l'équipe de Riot aussi en difficulté depuis qu'ils ont commencé à faire des showmatchs sur cette Paris Games Week. C'est clair, égalité parfaite au niveau des goals, mais Alzu est tellement bien, l'âme d'infini dans son fantôme, faut vraiment tuer ce Graze, hein. S'ils ne parviennent pas à le tuer, ça va devenir compliqué. Surtout pendant si que Galio lui part sur Rabadon. Ouais, c'est ça. Le dragon qui est engagé là par l'équipe de Riot et Asus, le backup de Warwick, la rival est assez loin là. Il va falloir temporiser pour eux, il y a un ulti sur Amu, il y a un ulti sur Morgana, un ulti sur Sona, donc il y a moyen de faire quelque chose. Tandis que l'équipe aussi du public a tous les ultis là, le bon poker, l'énorme dégâts. Il y a Mimu qui récupère, attention, la bandade qui passe pas, de Warwick, le D-pop de Soraka, l'ultime de ISP qui touche que Maokai. Oh, D-Win qui prend tellement le char qu'il va tomber sous les coups de la Raven, ISP qui s'ergit, le double kill. Qui tombe. Oh là là, c'est très compliqué, là, c'est très serré. On a le Graves qui va aller chercher sa RG, là, qui fait un joli boulot. Et l'ace du public. Triplé de Raven, doublé de Graves. Les deux persos qui ont fait le fight super buty de Superm également. Porte bien son pseudo je pense, mais ça a été vraiment bien fait.
L'équipe de Riot a récupéré le Drake, mais derrière, malheureusement, c'est l'Ace, et ça, ça fait bien, bien mal. Ah, ça fait très, très mal, surtout qu'en plus, Maokai est tombé, mais Maokai est vraiment un champion qui n'a pas de dégâts. Hein. Il est full tanky, il n'a pas de quoi faire du DPS hein, contre ses adversaires. Faut vraiment focus les gros carries hein, que sont Graves, Riven et Galio. Mais Galio, vous voyez son bouclier qui le régène tellement. Hein, il leur met quasiment 30% de points de vie. C'est juste fou. Ouais, c'est juste et il peut également le mettre sur un allié hein, pour par exemple protéger un petit peu le Graves. Il prendrait du burst. Mais la guérison se fait sur Galio. Mais le buff d'armure et de résistance magique se fait sur la cible. Ciblé, voilà, exactement. Et en bas, voilà, enfin top lane, on a push un petit peu de côté de la Riven. Et Riven qui était, on l'a vu, est très très mal parti dans cette game. Et là, elle avait fait une BT, elle était bien. 2 Kaggle dans les poches, elle va pouvoir se stuff un peu mieux. Et Riven qui fait un comeback assez extraordinaire là, dans cette game. C'est ça. C'est vraiment bien fait de sa part. En tout cas, bon stuff hein, de la part de Spleen qui part sur un cœur gelé. Malheureusement, Karim a fait le même choix. On a vu qu'ils avaient fait la même chose la dernière fois dans cette équipe. Ouais, 2 cœurs gelés. Ça ne le stack pas, hein, bien sûr, mais bon. Attention, en tout cas, il y a une petite survie qui a plus ou moins quelque chose. Une petite survie qui va claquer, peut-être. Oh, il flash, c'est bien fait, ils lui mettent tout. Ils vont pas aller le récupérer, malheureusement. Warwick, il n'a pas ulti là. Il a préféré, je pense, le garder peut-être pour un potentiel fight. Ouais. C'est dommage. Pourquoi pas. Mais c'est vrai qu'avec son AK, il aura peut-être plus le tempo. Plus le silence hein, pour cancel, puisque c'est facile de cancel une ultime de Warwick. En tout cas, Z-Win qui push sur la top lane. On voit en tout cas que Warwick part sur une Madred Blood Razor, je pense. C'est également un excellent item. À l'image hein, de au bout du rouleau qui fait les dégâts magiques. Madred fait encore plus de dégâts en late game. Hein. On vous rappelle que l'ultime proc les effets à l'impact. Oh, l'ultime qui est claqué sur Maokai. Maokai est tellement tanky. Oh, la cage qui passe, c'est bien oh, fait. Oh, la magnifique cage de YSP là qui prend le kill sur le Flashine. Ah, il a été reset tout de suite là, super malheureusement. C'est compliqué. L'ultime qui touche 2 personnes, c'est bien fait. Les Rioters qui essayent de comeback. Et le Graves qui est laissé tout seul derrière, qui va faire un taf monstrueux. Qui va peut-être c'est bien joué, le Graves à V5 là. Allez, il récupère. Oui, il prend le kill sur YSP, il prend la bandelette. Le backup de Riven là. Il est Riven. Double buff, double kill de la part de Graves. Il se fait exhaust et Sergi qui est un petit peu dans la mélasse. Aldou qui se fait choper derrière, il a plus trop de vie, c'est compliqué. Aldou qui tombe, c'est bien joué. La Riven là qui se fait poursuivre. Et il y a un buff rouge là sur Miracle, sur oh Karim. La Spin Chain qui avec son Warwick qui ne s'arrête plus. Faut éviter la bandelette là, faut éviter. Oh le flash out, c'est bien joué là, c'est pas mal. Ça va être très très dur. Il va se faire poursuivre à la vie, à la mort peut-être. Non, Spin qui abandonne là. En tout cas. Très joli move là de Riot et Asus qui reprennent un peu l'ascendant, 4 pour 2, c'est vraiment bien fait par eux, en tout cas joli move hein, de Alzu là qui punit un petit peu, hein, qui fait 2 kills, qui les met un petit peu dans la tourmente, le backup de Riven peut-être un petit peu tard. Hein. Ouais, je pense aussi, Graves qui avait été laissé vraiment tout seul au début, heureusement Warwick est revenu très rapidement dessus. Ça aurait pu se passer plus mal. Il a choisi de faire un last whisper et là on voit qu'il prend de l'armure. Donc ça annonce un GA tout de suite pour avoir bien plus de résistance et pouvoir revive. Donc rappel, Guardian Angel, Ange Gardien en français qui permet de revivre tout simplement lors du fight, qui vous rend très tanky également. Tandis qu'en bas il y a énormément de sbires à récupérer. Et là on a un 2 de CRJ qui part sur un voile de lame, hein, un item qui donne donc de la réduction de cooldown de zone à son équipe. Hein, c'est pas mal, donc notamment. Lors de fight où il y a beaucoup d'ultimes de claquer en AE, ça permet de récupérer le combo plus tôt. Par contre, l'item qu'elle a fait avec la Fille de Stone, c'est assez bizarre. Hein. Ça donne de la ténacité, mais ça ne stack pas hein, avec les bots. Donc le miracle, pourquoi pas, mais en tout cas, ça ne stack pas hein, avec les bots de Mercure. La ténacité, donc vous prenez la valeur maximale. Ça ne stack pas entre items, mais ça stack entre les sorts. Enfin, c'est un peu compliqué ce système. Le ping sur la mid lane, là peut-être un gank, peut-être une cage là de ISP. Oh, c'est bien fait la ward là. Ouais, ISP ouais. Qui était très bon avec ses cages, hein, qui a pu à chaque fois toucher la Soraka. Soraka qui est très fragile, hein. On voit, elle a du cooldown réduit, donc elle a les bots de cooldown, mais elle a aussi un Shurelia. Mais elle est vraiment très fragile, hein. Pas de gold item, game, elle a vraiment. Enfin, Sona est vraiment beaucoup plus tanky, hein, là, elle a beaucoup plus de points de vie, etc. Que la Soraka. Ah, mais il est très bien dans sa game aussi, Karim, là il a récupéré encore une fois Oracle. Il est bien tanky comme il faut, il a pas mal de points de vie. Il a son cœur gelé hein, plus. Le Warwick, check les golds du Warwick, c'est ce qu'il économiserait pas pour une Madred Blood Razor. Il a 1400, je pense qu'il est cool pour la Madred Blood Razor qui coûte pas mal d'argent quand même. Hein. Honnêtement, c'est un item qui est assez cher, assez late game. Mais une fois qu'il l'aura, il va faire juste énormément de dégâts. Les équipes se regardent en bord des yeux, il faut pas engager. Là, il y a ISP qui va sur la top lane récupérer le farm, ça dépouche, là on voit. Les spectateurs en bas là, je ne connais pas qui est qui, puisque malheureusement on ne sait pas qui est qui, on ne les connaît pas. En tout cas, ils font un très 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 bon show. Hein.
pour la première fois depuis la Paris Games Week, les Asus Riot sont dominés au gold. C'est vrai qu'on n'a pas eu l'occasion de voir ça. Généralement, ils étaient bien devant. Et là, c'est vraiment le match-up le plus serré qui nous a été donné de voir avec l'équipe de Riot. En tout cas, bravo à eux. Parce que c'est pas évident, surtout quand on joue avec des gens qu'on ne connaît pas à la base. Et d'avoir un teamplay assez intéressant là-dessus, c'est plutôt pas mal ce qu'ils nous font. Allez, et là, ça ping le Nashor. Mais le dragon va respawn dans 5 secondes. Ouais. Là, vous voyez le timer en haut. Le dragon là qui est respawn au niveau. Il y a le Drake. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire quelque chose? Je ne sais pas. Ça ping là. Il y a peut-être un oracle là. Je ne sais pas. Check s'il y a un oracle ou pas dans l'équipe des rouges. Non, il n'y a pas d'oracle, donc ils n'ont pas de quoi enlever la vision. Donc là, ils sont tous sur une voie, ils ne le savent pas. Mais ils ont peut-être engagé, ils ont vu la Morgana qui est en bas. ISP qui est bottom, ils veulent engager le Nashor. Alzu qui a énormément de dégâts là au niveau du Nash. Le baron qui prend. Check qui les points de vie, 6K, 7K, 7K 600, 7K 500, 7K. C'est très dur, c'est ça, va aller, ça va aller assez vite quand même là. Ils veulent le finir hein, a priori. Wow, check oui, les points de vie. Qui avance, attention. 2K 3, 2K, 1500, 1000, 300, 1100, 1000. Et 200, il est récupéré par Galio, le flash in sur Zewin. Est-ce que ça suffira? Il est vraiment tout seul là derrière. Attention, le ticket a été claqué de la part d'ISP. Split Chain qui a détruit Kayade, c'est bien fait là de sa part. Tombe. Oh là 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 là, c'est vraiment pas compliqué. Évident là, ils ont le Nashor. La Riven qui va faire le taf là, l'exo sur ISP. ISP qui se fait découper. Karim qui va tomber, qui va perdre l'oracle, le flash peut-être à travers. Non, il n'y a pas de flash. Et il va tomber également, c'est RJ qui sait le poursuivre. Oh là 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 là, des bandades là pour Riot et Asus qui se sont fait des pop là, et le Nashor qui est récupéré par le public. Vraiment vraiment bien joué hein. Ouais, ils sont allés récupérer tout de suite le Kayade, le Grave, mais derrière c'était sans compter sur la Riven. Riven qui a fait un taf énorme, qui est très tanky, qui a des dégâts, 305 d'AD sur Riven. Donc oui, elle fait des dégâts, ils ont récupéré le baron, donc du 2 pour 4, vraiment très très rentable pour l'équipe des spectateurs, qui du coup passe devant au niveau des goals avec 3000 goals d'avance. Cette game est toujours autant serrée, mais là ça va être plus dur pour Riot parce que le baron est vraiment pas évident à gérer, et ils vont devoir turtle un petit peu plus. Je pense que cet inhibiteur va tomber, malheureusement ils vont pas pouvoir le défendre, en tout cas CRJ toute seule ne pourra rien faire là-dessus. Ouais, 3000 gold d'avance et un buff sur 3 personnes. En plus, Galio, hein, on l'a dit, est vraiment compliqué à tuer dans la setup parce qu'au final, il y a surtout Corki qui peut le tuer, mais les autres, c'est chaud. C'est compliqué, on va dire, hein, de l'avoir. Ça sent pas bon hein, pour l'équipe des Riot Asus qui ont fait une excellente partie, mais là, ça va devenir peut-être un peu plus compliqué. Hein. Ouais, Warwick qui n'a pas encore son Madred Blue Drazor. On voit, il a complété son cœur gelé. Le dragon qui est engagé là de la part de Riven et Superman. Ouais, et je pense que là il attend juste pour faire son GA, le Graves, il a pas mal de goals, voilà, 2220, il est en train de récupérer le farm là-haut aussi. Et là ça sent vraiment pas bon pour les Rioters, ouais, ça sent vraiment vraiment pas bon. Le Galio là qui va compléter son Rabadon et qui va donc stacker énormément hein, d'AP, puisqu'on vous rappelle, la moitié de sa résistance magique lui donne du bonus en AP, hein, et ce bonus là bénéficie du bonus de Rabadon. On va voir, check les check l'AP de Superman une fois qu'il achète son Rabadon, ça va être fou. Son Rabadon à l'espagnol, Superman, voilà, Superman qui complète son Rabadon, check son AP. Ah pardon. Il est à 600 et bien sûr quand il se shield lui-même, il gagne 45 d'AP hein, par le bonus donc de la résistance magique, donc derrière avec les 25%, c'est juste fou, il va monter à 655. En AP, ça va être juste abusé. Ils ont intérêt à faire attention. Hein, l'équipe de Riot Asus, ça peut aller très très vite. Hein. Un flash in, encore deux Galio. Ouais, il y a l'ange gardien là sur le Graves. Ouais, ça sent vraiment pas bon là. Graves qui est déjà juste tellement dur à tuer. Hein. Il est vraiment très bien stuffé. Hein, le Graves, Alzu hein, qui fait une excellente game. La Riven aussi qui a ange gardien. Oh là 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 là, c'est infâme. Hein. Ouais, honnêtement, ils ont une excellente composition. Ils font des excellents builds. Hein, le public. Riot et Asus ont fait également des excellents bulles, malheureusement là contre une stratégie double ange gardien, c'est très dur, c'est pas évident, vraiment c'est très très chaud. Ouais. Du coup en plus ils ont toujours le buff baron là, vous pouvez voir qui est quasiment terminé, mais ils l'ont toujours, donc faut faire attention à pas se faire engage aussi là dessus, ce serait un petit peu bête, sachant que la mid lane est en train de push, la bot avec lane, la top spear. Lane push, les deux lanes extérieures là sont en train de pusher hein, pour là, Mirac va peut-être se faire engager, il est très résistant hein, Karim là, le Black Shield qui est claqué sur, il va aller chercher le Karim, l'engage sur ISP, le Black Shield peut-être de Galio, l'utile de Crescendo qui est bien joué là. L'ultime de Galio sur les carries, ISP, Zewin et Sergi qui se font des pop là. Oh là là, Speedchan qui prend assez cher aussi sur le coup, qui est laissé tout seul. Zewin qui se fait détruire par Superman. Zewin qui tombe. Oh là 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 là, c'est la tête qui prend la fuite. ISP qui tombe.
le buff de Mouspeed à point manquable par Galio. Le saut qui passera pas, Sergi, le route. Qui ne s'envolera pas et qui va tomber le triple, le triple kill de Galio. De Superman. Et je pense que ça va être le GG malheureusement pour l'équipe de Riot qui trouve leur adversaire bien plus fort là sur le coup. C'était très très serré tout le long de cette game. Malheureusement je vois mal comment ils vont pouvoir défendre là sur le coup, ça va être difficile. La game qui va être remportée par le public. La première défaite de Asus et Riot qui n'ont pas démérité. La stratégie vraiment excellente hein, du public qui a réussi à trouver la faille. Vraiment bravo aux deux équipes, on peut les applaudir bien fort. Speedchain qui met tout, mais c'est terminé malheureusement. Et le Nexus qui va tomber. GG en tout cas au public. Vraiment GG au public, il y a des grosses games de tout le monde. Du très beau jeu avant cette phase finale de la Paris Games Week. Bravo vraiment, c'était magnifique. Donc on va avoir Salim hein, qui est sur la scène, qui va pouvoir avoir les impressions à chaud du public, mais aussi de Riot, Asus. Ouais, je suis sur la scène, j'essaye de me frayer un petit chemin. Bah défaite, hein, défaite du staff de Riot et d'Asus. Et SARJ qui est venu avec un petit sac. J'imagine que dedans, bah, y aura une petite dotation. Il y a le Graves qui est à côté de moi. Je vais juste prendre quelques impressions. C'est un gars du public hein, qui est venu comme ça. Alors là, tu es devant la scène. On regarde le monde qu'il y a pour regarder ta game. Ça a été commenté par Skyart et Jiraya. J'avais une grande pression. Je sais pas s'il y a des gens qui me regardaient, mais je tremblais. Donc bon, on a fait quelques petites erreurs. Après, il y a eu un camp en bot. À un moment, j'ai commencé à rager un peu, mais ça va. Sinon, c'était vraiment fun. Tu connaissais tes coéquipiers, vous connaissiez pas du tout, quoi. C'était du cube. Non, vous connaissiez pas, d'accord, entendu. Vous avez un petit mot à dire, non? Ça va? C'était qui le support ici? C'était Oufan le poulet. Ah oui, bah oui, bah lui il a un beau chapeau. N'est-ce pas? En parlant de chapeau, plus tard on verra qu'il y a des chapeaux de Timo. Bah bravo à vous, hein. Vas-y, il y a des dotations pour toi de ce côté-là, à la Riot. Va t'enfiler quelques-unes. On va juste prendre une petite photo avec l'équipe de Riot juste ici. Alors Karim, tu viens avec nous? On va prendre une photo. Ouais, ils sont en train de discuter entre eux. Ouais, les tailles L, M. Allez, on va juste aller sur la scène et prendre une photo de haut public. Juste ici, vous vous mettez comme ça. Voilà, c'est ça. Bah allez-y, hein, vous êtes conviés. Hop, et derrière, je veux juste un peu de... Ouh là, j'ai failli me retourner. Je veux juste du bordel derrière pour...